américaine dans le corps, là. C'est ça, c'est comme 30 saisons à NHL. Alors, le jeu de rebond, Monster-là, Tiffu tente de prendre un tir! Oh, Yannick Tiffu a pris tout le monde par surprise du côté des pétroliers. Il a déjoué le gardien. Et avec 7 minutes 53 à faire, le Cool FM qui crée l'égalité. On connaît ses talents de marqueur. N'a plus besoin de présentateur. Frappé. Tiffu qui reprend. Tiffu entre dans le territoire. Fin de passe pour Verret. Verret fait l'air. Retour à la but! Anthony Verret a raté son premier tir. Et ça permet à Marcou de se coucher, mais sans se coucher, de se mettre à genoux. Ça a ouvert. De l'autre côté pour l'éveiller. Tire, arrêt. La rondelle devant, c'est bloqué par Gosselin. Rondelle. Oh! Quel arrêt de Sébastien Auger! Wow! Quel arrêt! Il vient d'envoler une. Ça, c'est d'un jeu de la semaine, Jean-Michel, je te le confirme. C'est l'arrêt de l'année. Va lobber dans le centre. Et attention. Tiffu qui s'amène fin seul, face à Gilles, là, Tiffu, fight-il, le but! Yannick Tiffu! On a fait la bombe du côté du Cool FM, mais Yannick Tiffu qui était isolé derrière le défenseur. Et la rondelle qui est tombée directement devant lui. Il a réussi à déculoter carrément Gélina et lève le cinquième but du côté du Cool FM. Quel jeu la part de Saint-Georges là-dessus! Bravo! 2 contre 2, Gagnon qui prend vitesse. Tiffu. Tiffu, fight, seul, Tiffu, c'est le but! Wow! Yannick Tiffu! Sérieusement, ce soir, c'est des jeux de patience. Encore une fois, Tiffu qui a attendu de coucher Leclerc. On l'a déjoué du côté de la jambière droite et le Cool FM qui se sauve avec une victoire de 4 à 3 pour terminer la saison 2022-2023. Rondelle qui est bataillée le long de la rampe. On cherche le disque, ça ira jusqu'à Paris. Il va tenter de s'amener seul devant le gardien. Paré, décoche le but! Oh! Avec 43 secondes à la période, Paré donne un deuxième but d'avance au sien. Il a couché Philippe Cadorette. Et Mario, quel travail! Il faut louer le travail de Paré. C'est défait de deux défenseurs. Veillette. Cherche des options, belle entrée de zone. C'est défaite deux joueurs, belle feinte. Pierre-Luc Veillette, fin de tir, le but! Wow! Pierre-Luc Veillette! Ben écoute, on avait Frédéric Bergeron la semaine passée dans les jeux de la semaine, mais je pense que celui-là s'en va direct au premier rang. Là. On quel a... jeu, Veillette! On a deux, là. On a Philippe et on a Pierre-Luc. La cible, Breton qui a frappé Blackburn. Bon contact. Tu sais. Longue passe pour Bergeron. Bergeron, feinte sur Chouinard. Bergeron seul, tire! Le but! Ça, c'est sûr que c'est dans les jeux de la semaine, Jean-Michel. Quel but de Bergeron! Frédéric Bergeron! C'est moqué carrément de la défensive. Il a pris tout son temps pour battre Bérubé sur le côté du bouclier. Wow! Et quel retour pour le... Et c'est une sortie de territoire maintenant de la barre du Cool FM. Yannick Tiffu. Tiffu, évite Talbot Tassi. Quel jeu, le but! Oh, quel jeu de Yannick Tiffu! Se moque de la défense des pétroliers. Et le Cool FM double son avance. C'est 2-1. C'est 3-1, pardon. Tiffu marque son deuxième, son troisième point de la partie. Quelle main, regardez bien. Il reçoit la rondelle. Patine bien en zone neutre. Bergeron. Ramé, Bergeron face à Riel. Oh. Bergeron, attention, Bergeron! Oh! Oh! Wow! Écoute, c'est pas la première fois que Bergeron nous offre des belles pièces de jeu, mais celle-là, wow! Ben là, on met qui au premier pour les jeux de la semaine?